Un collégien a été frappé par la foudre alors qu'il attendait son bus, voici ce que l'on sait. Ça s'est passé ce lundi au Bossé dans le Var. Vers 15h, l'adolescent âgé de 15 ans a quitté son collège pour aller prendre le bus. Le problème, c'est qu'il attendait juste à côté d'un cyprès de 10 mètres de haut comme celui-ci, ce qui peut être très dangereux lorsqu'il y a de l'orage. Vous le savez sûrement, mais en cas d'orage, il faut éviter de rester près des cours d'eau, sous des arbres ou encore près de la mer si vous êtes sur une plage. Selon des témoins interrogés par TF1, vers 15h, un gros boom a retenti avant que l'adolescent ne s'écroule. Ils ont tout de suite appelé les pompiers. Une fois sur place, les pompiers du Var ont réanimé le collégien. Il a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital Lanval de Nice. À l'heure où l'on enregistre cette vidéo, son état de santé reste incertain, évidemment, on vous tient au courant.